over the moon. She's a lovely filly. She deserves to win this. And my girls there, they've done all the work, but I'm just a lorry jockey, so... You did all the work, you said? No, she rides the horse. She rides the horse every day. She deserves this so, so much. And you too, maybe? No, it's all her. All her. She trains herself. Can you explain your feeling, Rosa? I'm ecstatic. It's a career-defining moment. C'est dans le calme retrouvé des écuries après le Qatar Prix L'Arc de Triomphe 2024. Nous avons la lauréate ici, Blue Stocking, avec celle d'Alexis. Yeah. Congratulations, Alexis. Thank you very much. Ah, you're okay now. Hein. Oh, yeah, big moment. She's done it. Et oui, effectivement, c'est Blue Stocking. Alors évidemment, tout le monde s'attendait à un combat sosie, Look de Vega, etc. Plein des chevaux d'âge, etc. Mais c'est cette jument, effectivement, anglaise, entraînée par Ralph Beckett et montée par Ross Arayan, le young jockey Ross Arayan, qui s'est imposé Blue Stocking, qui avait été supplémenté pour l'événement. Revoyons maintenant le film de la journée. Ah, les voilà, nos fans japonais, nos nombreuses fans japonais ici, ils sont venus avec les goodies et tout là. Hello, nice to meet you, you come especially for Japan. Et oui, ça fait tellement longtemps qu'ils attendent une victoire japonaise, peut-être cette année avec Shin Emperor. You come especially for Japan for Shin Emperor? Yes, especially. It's a long trip. Are you, oui, ils viennent exprès, hein. Ils pensent que Shin Emperor c'est le meilleur cheval. À la japonaise, de toute façon, ils y croient. You came already in Longchamp in the past? 20 times. You went 20 times? Elle est venue 20 fois. How do you say cross finger in Japanese? Or good luck, how do you say? Gambatte. C'est ça. Yoi desu o. C'est ça, j'ai bien compris. Allez, cross finger, croisons les doigts pour vous. 購入した時に意識してるのは確かですけども 具体的にはっきりと意識したのは日本ダービーの後です あとは Luck だと思います Deux mois après les Jeux Olympiques, Paris et la France doivent montrer leur splendeur. Nous sommes ici juste en face du poteau d'arrivée du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2024 qui se dispute donc sur cet écrin exceptionnel avec le son de la garde républicaine. Ah, on n'a pas que des supporters japonais. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames, des supporters de Look de Vega. Alors, expliquez-nous. Il est là. Vous êtes le vrai supporter à fond de Look de Vega. À fond. Expliquez-nous ce que vous vivez aujourd'hui. Mémorable. C'est incroyable. Et là, la pression, elle monte. Comment vous le sentez ces derniers jours et maintenant? Mal au ventre. J'ai les hypochondriaques, mais là, c'est une catastrophe. C'est une bonne maladie. Profitez. Hein. C'est un rêve. J'attends que ça. On va voir les vrais looks qu'on est aujourd'hui. Et toi, tu es bien? Look de Vega. C'est le Messi des Argentins pour les entraîneurs des chevaux. Le Messi du sport hippique. Il a gagné deux fois les Jockey Club et il est tout l'Argentine derrière lui. Ça fait plaisir, le Messi. Oui. Bah, c'est un objectif. Après, si on n'a pas son objectif, on n'est pas dans le bon métier. Le cheval, il est gagnant de groupe 1. Il a tapé à la porte toute l'année. Il a le droit d'être là. Mais quand on vient ici, c'est pour gagner, c'est pas pour faire des trous. Hein. Alors ici, on doit dire crossfinger ou bonne chance? Les deux. Merci David, allez à tout à l'heure, j'espère. Les fingers. Oui, j'espère. On est là, on n'est pas seul, la concurrence est rude, mais la pouliche me semble très bien, très belle, tous les feux sont au vert. Merci Christophe. Crossfinger. Et voici le champion d'André Fabre qui arrive, sosie sous l'œil de Richard Lambert qui est à droite sous son chapeau de cow-boy, le légendaire garçon de voyage. Son œuvre n'est pas encore terminée, mais voilà le champion sosie. Va-t-il apporter un 9e prix de l'Arc de Triomphe à son entraîneur André Fabre? En tout cas, il suit le parcours parfait, il vient de gagner le prix Niel après le Grand Prix de Paris. Et voici le meilleur moment de la journée pour Marquise de Sévigné, la douche. C'est le meilleur moment de la journée avec Zoé, qu'on connaît bien désormais sur Francier, et Monsieur Pouchin, père, qui va... Monsieur Pouchin, est-ce que vous allez vous faire plaisir à aller emmener votre propre fils Alexis? Bien sûr, on sera ensemble. Hein. Oui, bien sûr. Et votre émotion à ce moment-là, c'est quoi? Ce sera quoi? C'est toujours aussi fort. Bonjour, mais... Qu'est-ce que je vois là, monsieur? C'est une vraie, sans blague? Oui, c'est une vraie. C'est rugby à 7. C'est extraordinaire. Bien sûr, on vous a vu, on vous a admiré. Vous êtes combien aujourd'hui? Les champions olympiques sont là. Vous êtes venu à combien? On est venu à 3.
Moi, Andy Timo, Antoine Zegdar et Jordan Sefo. Quelle est votre impression là? L'Arc de Triomphe n'est pas encore couru. Est-ce que c'est la première fois que vous venez aux courses d'ailleurs? C'est la première fois pour moi et je trouve ça très impressionnant. Franchement, incroyable, c'est un autre univers. C'est très classe, c'est très impressionnant. Même les jockeys, c'est des grands sportifs, des grands athlètes de haut niveau. Et franchement, je trouve ça assez incroyable et impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui vous remarquent et qui vous voient aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi un moment pour le rugby en général et pour le rugby à 7 de le rendre ce sport encore plus populaire? Oui, on essaye de marquer ce sport, d'essayer de le faire découvrir un peu à tout le monde. Du coup, on essaye de aussi de remercier tous les Français et de nous avoir acclamés comme ça, en fait. Ben bravo, je vais la toucher parce que ce sera peut-être la seule mouffa de ma vie. Hein. C'est beau, c'est impressionnant. Hein. Bravo, félicitations, monsieur. Bravo. Et il s'élance à l'instant pour les plus beaux 2400 mètres de l'année, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, avec un très bon départ à l'actif de Sozi, mais également de la jument Blue Stocking qui vient à l'intérieur. Il reste maintenant 400 mètres à parcourir avec Blue Stocking, Los Angeles qui sont à la même hauteur, Sozi venant à l'extérieur, Sunway également complètement en dehors avec Aventure qui tente de refaire du terrain. Blue Stocking à l'avantage, Blue Stocking qui a été supplémenté, Aventure est deuxième avec Stéphane Pasquier, Sozi est troisième avec Maxime Guyon, Los Angeles c'est côté corde, le Stocking a l'avantage mais Aventure de plus en plus fort à son extérieur et Los Angeles qui vient à l'intérieur. Blue Stocking qui avait remporté le prix vermeil qui remporte l'Arc de Triomphe. Blue Stocking supplémenté qui triomphe ici avec Russell Ryan debout sur les étriers. She has made my dreams possible and the biggest thing has to go to Rafe and everyone in Judmont, but especially the lads in Kimpton at Rafe Stable. They're the lads that do the long hours and they deserve all of this as much as I do. Be able to bring a horse here to be competitive is a joy, but to actually win one is extraordinary. And thanks, John. Thanks, John. So you know, I'm delighted. I'm thrilled. Why it is so hard to win here? Oh, because you have to. You know, it's a long year. Apart from anything else, you know, it was a long year. She's been here since May. She's been on the go since May, and to actually get her here in the right shape is extraordinary. Thank you very much.